Salut à tous. Dans le petit monde du second degré, la forme canonique a vraiment un rôle crucial puisqu'elle est au cœur de toute l'analyse de ce type de fonction. Alors qu'est-ce qu'un canon ? Eh bien c'est un modèle, d'où la présence de l'homme de Vitruve sur la miniature de cette vidéo. Et donc les formes canoniques, pour le second degré, vont vraiment nous intéresser. Mais avant de s'y pencher, il faut déjà réussir à les déterminer. Allez, c'est parti. Allez, on commence par un petit rappel. Ax² plus bx plus c, donc la forme d'un polynôme du second degré, c'est égal à a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Ça, c'est la forme canonique. Elle est unique et elle existe. Alpha et bêta sont des réels qui peuvent être positifs, négatifs. C'est parti pour le premier exemple. X² plus 6x plus 1, donc le a vaut 1 ici. C'est le premier cas de figure. Et bien là, c'est plus simple. La première étape de factorisation qu'on doit faire en temps normal ici, elle est transparente. On va directement essayer de trouver un polynôme du second degré. Et donc on voit que c'est la première forme avec une addition puisqu'on a plus 6x. Et donc x plus quoi au carré donne x carré plus 6x. C'est le début de quelle identité remarquable? Et bien le 6x correspond à 2ab, donc on doit toujours couper en deux. Donc c'est plus 3. Et on se retrouve avec le b carré qui vaut 9. Donc on doit l'enlever, évidemment, pour compenser. Et on a toujours notre plus 1 au bout de la ligne à ne pas oublier. Donc on arrive à un truc du style x plus 3 au carré, moins 9 plus 1, moins 8, et ben impeccable. On a la forme canonique, le petit a c'était 1, donc je ne l'écris pas. Alpha c'est moins 3, puisqu'en fait dans la forme initiale on a x moins alpha, et bêta c'est moins 8. On passe sur la deuxième forme où là le petit a ce n'est pas 1, c'est moins 2. Comment ça fonctionne ? Eh bien, on a une première étape de factorisation. Elle est originale aussi celle-là, puisqu'en fait, il n'y a pas de petit c, c'est plus 0. Qu'est-ce que ça donne? On applique la méthode, on commence par factoriser par a. Ce qui nous donne donc b égale moins 2, facteur de x carré, évidemment. Et comment faire pour retrouver plus 10x? Eh bien, on va multiplier moins 2 par moins 5x. Moins 2 fois moins 5, ça fait bien moins 10, avec le x, évidemment. Et puis, pas de petit c, donc ça, c'est réglé. Hein. Une fois cette première étape faite, c'est à ce moment-là qu'on essaie de retrouver notre identité remarquable. Et x carré moins 5x, c'est le début de x moins quelque chose, évidemment, deuxième forme. La moitié de 5, c'est 2,5, donc x moins 2,5, le tout au carré. Reste à mettre le b carré, c'est-à-dire plus 2,5 au carré, qui donne 6,25. Et donc ces 6,25, on doit impérativement les retrancher à x moins 1,5, le tout au carré, pour garder une égalité. Et puis c'est tout, puisqu'en fait il n'y a pas de petit c. Donc on a presque notre forme canonique, reste à développer ce moins 2, ce qui donne donc moins 2 facteur de x moins 2,5 au carré, moins 2 fois moins 6,25, ça fait un nombre positif, plus le double 6,25, c'est 12,5. Et voilà, notre petit a c'est moins 2, notre alpha c'est 2,5, et notre bêta, c'est 12,5. Dans la petit c, le petit a, c'est 3. Donc première étape, factorisons par 3. Trois facteurs de x carré, évidemment. Comment faire pour retrouver moins 9x? Ben, mettre en moins 3x. 3 fois moins 3x, ça fait moins 9x. Et puis 3 fois moins 5, ça fait bien moins 15. On vérifie toujours, évidemment. L'étape suivante, c'est l'étape de l'identité remarquable. Donc, une identité remarquable qui doit commencer par x carré moins 3x. Plus quelque chose, évidemment. Donc, c'est la deuxième forme, x moins quelque chose. On prend la moitié de 3x qui correspond à 2ab, c'est 1,5. Donc, on a notre identité remarquable, c'est x moins 1,5 au carré. Reste le b carré à écrire, et b carré, c'est évidemment 1,5. Au carré, qui donne 2,25. Donc, x moins 1,5, le tout au carré, moins 2,25, évidemment, pour compenser. Et on a notre moins 5, qui est là originellement. Donc, on ne l'oublie pas. On met moins 2,25 avec moins 5, qui donne moins 7,25. Et on termine par développer, pourquoi pas, le 3. Donc, ce qui donne 3, facteur de x moins 1,5 au carré. Et 3 fois moins 7,25, ça fait moins 21,75. Notre petit a, c'est 3. Notre alpha, c'est 1,5. Et notre bêta, c'est moins 21,75. Dernière forme, légèrement plus compliquée,
puisqu'en fait elle est sous forme d'un polynôme, du second degré, sous forme d'une identité remarquable, pardon, on va commencer par la développer. Ce qui donne a moins b le tout au carré a carré moins 2ab plus b carré, 36 moins 24x plus 4x carré. Et donc on va repartir plutôt de cette forme. Remettons les choses dans l'ordre, 4x carré moins 24x plus 36, et là on va factoriser par 4. N'hésitez évidemment pas à mettre sur pause, hein, et à refaire ces expressions pour vous entraîner. Donc 4 fois x carré, 4x carré, 4 fois moins 6x, ça fait bien moins 24x, 4 fois 9, ça fait bien 36. C'est le début de quelle identité remarquable? On peut le faire directement si on est à l'aise, hein. X carré moins 6x, bah c'est le début de x moins 3, le tout au carré, qui donne donc x carré moins 6x plus 9. Mais ce plus 9, il faut l'enlever, moins 9. Et on a un plus 9 à ne pas oublier, et là, bah, il se trouve que ces valeurs s'annulent, pourquoi pas. On a donc au final 4 facteurs de x moins 3, le tout au carré, plus 0, bah, je ne le mets pas. Et on a directement bah, notre forme. Alors là où c'est original, c'est que okay, le petit a vaut 4, alpha vaut 3, et bêta, bah, c'est 0. Pourquoi pas. Donc j'espère que vous êtes bien entraînés. N'hésitez pas à refaire tout ça, et puis à vous abonner si c'est pas le cas, à liker, à partager si la vidéo vous a aidé, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule vidéo.